La différence justement avec un emploi, ben c'est cet accompagnement, c'est quand même le plus, que ce soit sur le lieu de stage ou ici. Donc un stage-soir, c'est un stage qui est rémunéré, donc qui a une durée de 3 à 6 mois, donc 6 mois maximum dans une vie. Voilà, le but c'est vraiment, ben, c'est un tremplin à l'emploi, donc c'est vraiment donner plus de chances à un jeune en fait qui a très peu d'expérience, voire pas du tout, bah, d'accéder donc à l'emploi. L'avantage c'est que bah, y a un suivi donc tout le long du stage, autant donc chez l'employeur, donc il y a un encadrant sur place, et puis il y a nous. Donc on fait ce qu'on appelle des coachings, des suivis. On analyse un petit peu, on fait un petit peu le bilan pendant le stage, donc au milieu du stage et à la fin du stage. Et alors on les coach aussi donc pour l'entretien avec l'employeur. Avant le stage, donc ça c'est bah déjà on explique la mesure, et donc on essaie de vraiment répondre au projet professionnel donc du jeune, hein, que ça matche avec ce que cherche l'employeur et le jeune. Parfois il y en a qui ne savent pas tout à fait ce qu'ils ont envie de faire, donc on essaie de discuter avec eux. On leur propose aussi plusieurs offres parce qu'ils ne savent pas toujours, voilà, ils sont parfois un peu perdus après les études. C'est vraiment donc pendant le stage, des feedbacks réguliers donc avec le job coach. Hein. Donc on a un bilan au milieu de stage et un bilan à la fin du stage. C'est aussi l'occasion de discuter est-ce qu'il y a eu par exemple des problèmes dans le stage, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont déjà développé comme compétences, ou même qu'est-ce qu'ils ont appris déjà sur eux-mêmes. Et sur le lieu du travail, donc c'est vraiment un encadrant qui est là donc pour les soutenir, et qui est là tout le long du stage, avec qui également il y a des feedbacks. On voit justement donc pour le futur, est-ce qu'ils veulent faire une formation, est-ce qu'ils veulent travailler. On leur donne aussi, ben voilà, par exemple, tous les avantages qu'il peut y avoir au niveau pour que les employeurs aient plus facile pour les engager par la suite. La différence justement avec un emploi, ben c'est cet accompagnement, c'est quand même le plus, que ce soit sur le lieu de stage ou ici. Pour des jeunes qui n'ont pas l'habitude de travailler, ben voilà, ils sont pas tout seuls, parce que parfois ça peut faire peur. Et souvent d'ailleurs on est remercié, donc parce que justement ben on est là pour vous.